Alors, me revoilà. Du coup, alors ça va être des morts-vivants. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont rajouté pas mal de musique depuis le dernier patch, quoi. Alors, on va voir. Ce qui est chiant avec ces morts-vivants, c'est pas réellement des zombies, c'est des Wiederkranker. Je sais pas ce que c'est, enfin, exactement. C'est un truc dans la mythologie allemande. Non, en fait, ils se relèvent, il y a une chance qu'ils se relèvent à chaque fois. Après, ils ont pas l'air d'être très bien équipés. Donc ça. Ah, quoi que. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mes flèches dans le tas, avec un peu de chance. Ouais, bon, pas grand chose. Ce que je devrais faire, c'est reculer petit à petit. Je vais reculer tous mes gens, histoire d'avoir un peu les deux ici à la montagne, en montagne quoi. Si je recule là, ok. Pouf. Pouf. Et pouf. Voilà. Hop, vous bougez pas, vous. Pas. Toi, tu bouges pas non plus. Ok, toi du coup tu vas bouger, tu vas te mettre là. Ah merde. Je vais essayer de le pousser avec le bouclier. Sinon il va se faire un peu entourer, ça me fait chier. J'avais 86% de chance pour pouvoir le pousser. Et il fallait que ça merde. Bon, je vais mettre un bouclier. Tant pis, je réavance. Oh là là, j'ai mal fait, j'ai mal joué. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en lance ici. Ok, parfait. Vous voyez que voilà, la lance... ok, quand ça marche bien. Enfin, c'est bien. Qui va encore passer ça? Voilà. Allez-y, tentez. Allez, vas-y, tente encore. Voilà, vas-y encore. Allez, voilà. Punition. Bon, maintenant c'est à mon tour de me venger. Ok. Ça va, avec leurs dents, ils font pas spécialement mal. Aïe.
Voilà, le problème c'est qu'il se ressuscite comme ça, tranquille. Sans aucun problème. Et s'il me tue un de mes mecs, bah ils vont le ressusciter aussi. Ça va, ça se passe pas trop mal, mais en fait faut se dépêcher quoi. Faut juste se dépêcher de faire le combat parce que ça part vite en coupe. En plus les morts vivants, voilà. Ce que je voulais dire c'est que les morts vivants ils ont pas de fatigue. Et ils s'en foutent du moral. Ça vous paraît complètement évident ce que je dis, mais en fait dans les mécaniques du jeu ça rend les morts vivants, ben voilà, vous tuez pas des zombies comme vous tuez des zombies dans d'autres jeux. Étant donné que les mécaniques de combat, enfin de morale et tout, jouent énormément, enfin influent énormément. Résultat, bah, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Ok. Un peu de stuff, pas d'armure par contre, mais leurs armures en général sont abîmées déjà de base. En même temps, s'ils sont morts une fois, c'est que quelque part, ils ont déjà dû prendre cher. Ok. Donc, on a récupéré juste du matos. Ouais, on a récupéré juste des armes. Une petite hache. Mais le plus important là, c'est de nous faire des sous et nous racheter du stuff, en fait, des outils. Ok, alors ça en fait quand il y a deux crânes, ça veut dire que la mission est un peu plus compliquée. Mais je sais pas encore si on peut se permettre de faire une mission un peu plus compliquée. Je vais recruter lui, on sait jamais. Oh! Ouais, non en fait, il est pas terrible terrible. Il est un peu nul même. Je vais le garder histoire d'eux, mais en fait... Alors, lui, qu'est-ce que je vais lui mettre? Ça... De l'initiative, et du combat à distance... Hein. Je vais prendre Fast Adaptation, quand même. Parce qu'en fait, l'arc, tu peux faire deux tirs dans un combat, dans un tour. Contrairement à l'arbalète, donc en fait, cette compétence, elle te donne plus 8% de chance de toucher à chaque fois que tu loupes un tir. Donc si je loupe mon premier tir, ça me fait généralement un deuxième tir. Lui, ça va devenir de toute manière mon sergent. Donc, il lui faut de la résistance. J'ai bien envie de lui monter de l'initiative, mais... Allez, un petit peu d'initiative. Hop.
et je lui prends le truc de sergent. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est-à-dire que dès le début, je vais pouvoir lui faire... Alors, qu'est-ce qu'il fait parce qu'ils ont peut-être changé. Ça donne, ça crée un trick, ça trigger un moral check pour augmenter le moral de toutes les personnes autour de moi avec un bonus de résolve basé de plus 32. 10 characters resolve, resolve, resolve. Ok. Bon. En gros, en fonction de son moral, il peut faire booster le moral des alliés. Alors, lui, il a besoin un peu de fatigue. Et il a besoin de melee skill, mais c'est pas trop son fort. Bon. Je vais monter un peu l'initiative. Et l'XP surtout. Voilà. Ce que je fais, c'est que je prends ce petit truc là, étudiant. Ça donne 20% d'XP supplémentaire. Donc votre personnage finalement devient un peu plus faible par rapport à un personnage qui aura un autre trait de niveau 1, mais à prendre uniquement si vous voulez faire évoluer le personnage assez vite et que vous voulez investir sur le futur. Sinon, les mecs que vous voulez vous débarrasser, dont vous voulez vous débarrasser, n'hésitez pas à leur mettre un trait normal. Je vais payer les 80 pour éviter de... Hop. Je sais pas. Je sais pas si j'accepte la quête parce que... Ça m'a l'air peut-être... Ouais, je vais aller en bas à gauche. Je vais aller là. Et je vais faire la quête. Et si j'ai assez de sous, j'achèterai des ressources. Ils ont peut-être des ressources pour aller faire du commerce là-haut. Oh là, attendez. Ça pue. Ça pue. Clairement, faut que je me casse. Je ne peux pas se faire ce combat. Là, il y a des archers. Ah. Par contre, s'il y a des mercenaires qui se fritent ces brigands. Non ? D'accord. Ça marche. Ils ont pas voulu. En même temps, ils étaient que 5. Bon, j'accepte. Mais ça pue. D'ailleurs, ça pue parce que je vais bientôt plus avoir de bouffe. Et je me fais pourchasser par des putains de brigands. Non. Il me faut de la bouffe. Je vais jamais... Oh putain. Je vais fuir. Je vais juste courir en arrière. Ok, c'est bon. Ils ont tiré leur coup. Je peux fuir. Ça, c'est un peu chiant à faire. Parce que du coup, vous tapez tout un combat comme ça pour fuir. Mais je peux pas faire autrement. Peut-être même que je vais devoir sacrifier mon moine pour fuir. Fuyons. Non mais regardez, ils ont trop de stuff. Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer cette partie. Et je vous retrouve juste après. Réussi à fuir.
Ok. Alors, il faut partir au nord-est. On ne sait pas trop où. Ok, normalement, on les a encore les traces. Ok, là, ils sont 9. On est 9 aussi. Par contre, il y a des archers. Il va falloir faire gaffe. Donc, j'ai un peu peur. Je ne le cache pas. On risque d'un petit peu morfler. Ouais, en plus, lui, il a une armure bien abîmée. Dans les marécages, c'est un peu chiant les marécages, je ne vous cache pas. Voilà, et surtout s'il y a quelques archers en plus. J'ai un peu peur pour moi. Attention. Aïe. Oh putain, ça va être chiant. Oh non. Non mais vous êtes combien? Bon après lui le empaleur là, de toute façon je m'en fous qu'il meure. Voilà, lui c'est de toute façon c'est pas grave. Mais quand même, merde. Là, pourquoi il recule? Ok, je vous cache pas que je suis en train de flipper pour ce combat en fait. Je crois juste qu'il va être horrible le combat. Parce que là il y a trois archers qui vont juste pouvoir. Ok. Ok, ça s'est passé. Et ensuite. Ok, bon, ça c'est fait. En fait, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est que dans la gadoue, on a une résistance de merde et on n'est pas du tout bon au combat. Et on se fatigue à mort, c'est 12 points de fatigue pour marcher dedans. Donc ouais, c'est compliqué. Je vais arriver vers les ennemis et je vais être à bout de souffle. Le truc, c'est que l'ennemi, il le sait bien, et avant, l'ennemi, il se serait avancé. Et là, en fait, je remarque que, non, pas du tout, il veut pas. Il reste sur ses positions. Un de moins.
Aïe. Et merde, c'était qui lui? Rabban. C'était un bon lancier. Est-ce que c'était pas... Merde, attendez. Qui était Rabban? Bon. Je crois que c'était pas le fermier, ouais. Qui était pas trop mal. Non, le fermier, je l'avais déjà perdu. Bon. Ça n'a pas l'air d'être un des plus importants que j'avais, donc ça va. Mais merde quand même, quoi. Ok, il se rapproche vers moi. D'accord. Ah oui. Ah ouais, t'es comme... Ah oui. Ok, vous êtes comme ça, les mecs. Bon. Alors, je vais essayer de tirer une flèche en... Bon, non, d'accord. Ok, ça, ça va. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et c'est bon. Ok, je vais attendre. Ça, c'est pas grave, il y a bien qui meurt. Non, 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 fuyez pas. Ok, ça c'est bon. Ok, je ne vous cache pas que j'ai trouvé ce combat assez compliqué. Voilà. Parce que ouais, la boue est plein d'archers en fait. Surtout au début, comme j'ai pas encore beaucoup de compétences en défense, distance, etc. Ben eux, ils avaient un gros avantage sur moi. Tant pis. Je pense que pour les pertes, c'était worth it. Par contre, pour retourner à la ville, ça va être compliqué parce que il y a des ennemis quoi. Ils étaient encore derrière, je crois, jusqu'à preuve de. Jusqu'aux dernières nouvelles. Alors, si je peux voir, je crois, qui était Rabban. Il était... Ok. Je l'avais recruté il n'y a pas très longtemps. Bon.
21 de bouffe, etc. Normalement, je crois que je les vois. Ils sont où? Ok, ils sont là. Il va falloir que je... Non, 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 non. Allez, ils se dépêchent, ils se dépêchent. Non, non. Oh, putain. Comment je vais faire? Je vais faire le tour. Le problème, c'est que ça me prend du temps. C'est horrible. C'est l'horreur. Hein. Eh, merde. Bah écoutez, j'espère que leurs flèches vont pas me tuer tout de suite. Oh putain. Non mais merde quoi. Oh non, il est une arbalète. Il va tellement... tellement me savater. Je crois que je vais sacrifier le moine. Ok, voilà, c'est bon, ça c'est fait. On survit, on a fait payer, on est dans la merde, mais c'est pas grave. Je rentre à la base, comme ça j'arrêterai l'épisode avec ça. Voilà, hop, 400 et quelques, ce qui est bien, mais pas suffisant. Il faudra qu'on revienne dans le nord pour aller acheter des outils. Je peux éventuellement m'acheter des medical supplies, ça coûte très cher d'habitude. Et je vais juste placer mon petit niveau. Voilà. Ouais, il est quand même bon en distance. Et j'ai pas utilisé le combat distance juste avant, je suis con. Il est bon en... Ah putain. Et la fatigue, c'est vachement important. Le moral aussi. Et la défense corps à corps. Bon, je vais prendre ça. La fatigue. C'est toujours une valeur sûre. Et pour m'assurer... je vais lui prendre ça. Ou ça. Ça ou ça. Ça ou ça. Ça pour pouvoir combattre avec ses haches à distance là. Lui, tu vas prendre ça. Voilà. Hop. Et hop. Ouais. Je pense que ça me semble plutôt bien. Ah, on a une petite capuche. C'est cool ça. On va la mettre pour lui. Ah, mais là, il faut absolument qu'on récupère des outils. Sinon, on va jamais tenir. On va jamais survivre quoi. Parce que là mes gens ils sont trop défoncés, il nous faut des outils, il nous faut des soins, il nous faut plein de choses. Et de la bouffe aussi. Enfin voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Posez-moi toutes les questions que vous voulez également, si jamais vous y jouez et que vous galérez. Ou n'hésitez pas également à me donner des conseils si vous voyez que j'avais fait une grosse connerie. J'estime pas être un pro master du jeu. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires dessus, et puis à la prochaine!